Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, ces dernières 48 heures sont tombées un tas d'infos, y compris des leaks. Alors, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Vous m'avez posé beaucoup de questions, surtout suite à la vidéo de Legend Ronnie hier qui a montré d'ailleurs tous les leaks qui étaient en cours. J'avais eu l'un d'eux, on va revenir dessus, hein. Depuis dimanche. J'essayais d'avoir des infos parce que le skin me paraît pas forcément adapté à Rock, mais en tout cas, c'est sorti et on va en reparler. Au niveau des events aussi, sur mon serveur, alors moi j'ai la chance d'avoir la roue de la chance. Certains d'entre vous m'ont dit depuis hier, il y a une roue générique aussi qui est tombée. Donc ce qui laisserait penser sur les serveurs en dessous des 1200 que les nouveaux commandants vont arriver. On va y revenir dans la suite de cette vidéo, hein. La roue de la chance, je vous rappelle, même en générique, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est même plus rentable que le roi des cartes. Donc n'hésitez pas à faire 10 tours. Moi, comme d'habitude, je vais faire mes 10 tours. Je tape mon tour gratuit. 8 têtes. Magnifique! La chance est-elle revenue? Un tour gratuit à 8 têtes. Franchement, là, je suis refait. Limite, j'ai envie de claquer mes 5 tours maintenant. Donc je vais faire mon petit tour à 50%. Est-ce qu'on va pousser la chance un peu plus loin? Non, c'est de la construction. Allez, on tente mes 5 tours aujourd'hui. Allez, on tente mes 5 tours aujourd'hui. C'est peut-être le jour de la chance, donc on y va. Mais un tour gratuit à 8 têtes, c'est propre. 2 étoiles pour celui-là. Est-ce que je vais avoir là assez d'accélérateurs? C'est toujours bon à te prendre, même si je préfère les têtes. Ah, je vais peut-être pas faire de tête, mais c'est pas grave. J'ai eu 8 têtes avec mon tour gratuit. Moi, ça me va. Voilà. Pour le reste, j'ai rien eu. C'est pas grave. J'ai pris mes 8 têtes pour une fois. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu 8 têtes. Et surtout sur le tour gratuit. Là, on est bien. On a aussi la cérémonie de Karuak, hein, bombardée. La cérémonie de Karuak, c'est 12 cultures gratuit si vous le faites en niveau maximum, en niveau démoniaque. Donc on est bien, sans compter le fait qu'on peut avoir encore des sculptures en or génériques lorsqu'on fait les boss avec votre alliance. Donc n'hésitez pas, c'est le genre d'event où il faut foncer. Pour le reste, hein, rien de particulier et aucune. Bon, on a toujours héroïne légendaire, hein, mais ça sert plus à grand chose une fois que vous avez débloqué Mulan. Et pour les annonces de ce qui va arriver, et bah pas grand chose à part la balade de Yann, hein, qui vient de tomber il y a quelques minutes, je crois. Hein, il n'était pas là il y a 1 heure, donc il vient de tomber. On va avoir de nouveau cette balade. Moi, j'attends de nouveau encore une fois, hein, l'assaut de ces reliques qu'ils reviennent pour qu'on ait un petit peu des morceaux de plan ou des coffres, hein, ça fera toujours du bien pour crafter. Les amis, comme promis, on va venir aux grosses infos du moment. J'ai aussi une vidéo à vous montrer, hein, sur. Vous vous souvenez, je vous avais montré le joueur qui avait cheaté et qui était monté à 800 millions de puissance en utilisant le cheat de Mulan, de Wuzetan, pardon. Donc, je vais vous montrer ça. Mais pour commencer, regardez ce premier screen. Alors, ce premier screen, je ne l'ai pas issu de la vidéo de Legend Ronnie, contrairement aux autres que je vais vous montrer, qui m'ont été envoyés par certains d'entre vous d'ailleurs et qui viennent du record de la vidéo d'hier de Ronnie. Regardez ce premier commandant légendaire. Donc, on serait sur un commandant viking. C'est pour ça, voyez, c'est ce screen-là qui m'a fait douter que j'ai obtenu dimanche par l'un d'entre vous, encore une fois, la même source, source très fiable à chaque fois. Merci à toi, mon ami, de me sortir tout le temps des infos de ouf en avance. Donc ce screen-là, ça serait le nouveau commandant, l'un des deux nouveaux commandants infanterie. Ce commandant-là serait donc un commandant viking. Et vous le voyez, je trouve que le skin, j'ai demandé d'où venait la source de la photo, d'où venait la source de ce skin, est-ce que c'était extrait d'un autre jeu, d'où ça venait, un peu comme Lubus que je vous avais demandé. Si vous savez où est la source de ce screen, où il a été pris, pour l'instant, personne n'a été capable de me donner cette info-là. Et je ne trouve pas que ça soit du skin proche de Rock. C'est pour ça que je m'interrogeais. Alors, ça ressemble à ce qu'ils ont fait avec Ul'jin, le nouveau skin qu'ils ont fait quand ils l'ont changé. Mais sinon, je ne trouve pas ça vraiment adapté donc à l'univers Rock. Après, je me trompe peut-être et vous trouvez que c'est peut-être parfaitement cohérent avec les skins qu'on a aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un peu en rupture. C'est pour ça que j'avais des doutes. Donc voilà, ça serait l'un des deux nouveaux commandants vikings. Est-ce que ça veut dire qu'on va manger une civilisation viking? Ça serait de la balle. En revanche, les civilisations vikings sont quand même des civilisations basées sur tout ce qui est univers océanique. Donc là, on n'a pas de zone d'eau sur Rock. Donc ça serait, c'est encore une fois étonnant, mais c'est leur choix.
C'est pas plus mal, hein, une civilisation nordique, on n'en avait pas, je crois pas qu'on en avait, hein. Corrigez-moi c'est en commentaire si on en avait, et dites-moi ce que vous pensez de ce skin, et surtout si vous savez d'où il vient, votre avis là-dessus. Moi, là, je reste quand même un petit peu sceptique, même si, encore une fois, ça a été confirmé par Ronny, et Ronny, tout comme ma source, hein, n'ont pas l'habitude de dire des conneries ou de dire des fakes, donc là, je serais surpris quand même que ce soit faux, que ce soit un fake, mais en tout cas, si c'est un fake, il est très bien monté. Le deuxième commandant légendaire qui a été présenté, qui est un commandant, encore une fois, infanterie, je vous le montre, ce commandant-là, je ne sais pas qui c'est, on dirait une civilisation Maya ou Inca. Si vous savez qui est ce commandant, hein, cet commandant, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire si vous savez son nom. Vous êtes ultra balèze en histoire et ultra calé pour certains d'entre vous. Donc si vous savez de qui il s'agit, n'hésitez pas à le partager. C'est encore une fois un commandant infanterie. Ça sera de la balle, hein. Moi, j'ai mon stock de sculptures pour les maxer direct s'ils sont énormes. Enfin, le maxer au moins l'un des deux et jouer l'autre sur le MGE. Alors, lequel sera dans la roue, lequel sera dans le MGE, je n'en sais rien. En tout cas, si ce patch doit tomber, ou du moins si ces commandants doivent tomber, ça doit être sous peu, puisque, encore une fois, les serveurs les plus récents viennent de finir la roue de la chance avec, pour la dernière fois, les nouveaux commandants avec Guillaume Ier. Et donc là, on va passer donc sur le générique et il va forcément falloir les sortir. Donc je pense que d'ici une semaine, si ce n'est dans la semaine, hein, on va avoir l'annonce, le patch et ces nouveaux commandants. Forcément, ça va aller très vite, sachant qu'en plus, ils doivent sortir les events, le patch d'octobre et ou, s'il y a un double patch, le patch d'Halloween, s'ils n'en font pas qu'un seul qui regroupe tout. Donc on va avoir le patch de l'automne et le patch d'Halloween, peut-être ça sera le même. Et la dernière grosse info lâchée hier, qui est énorme, et ça, j'avais eu aucune info là-dessus, je ne sais même pas d'où Ronny sort ça, mais c'est tout simplement énorme. Regardez cette nouvelle carte, ce serait apparemment la nouvelle carte du nouveau système de KvK. Alors on avait eu déjà un leak qui nous parlait du nouveau système de KvK, ce leak avec le screen, hein, qui avait été montré lors d'une conférence en Chine de Rock avec des joueurs, nous laissait penser et même montrait clairement qu'on avait le choix entre trois systèmes de KvK à l'avenir et que les joueurs pourraient décider soit du traditionnel, soit du Light and Darkness et le troisième était un screen inconnu, enfin un KvK inconnu. Ça serait peut-être ce système-là. Donc soit ce nouveau système va remplacer le Light and Darkness, soit on aura le choix entre les trois. Ça serait étonnant qu'on ait le choix quand même, parce que même quand j'avais vu le screen du premier leak, ce qui m'avait surpris, c'est que choisir, c'est le risque qu'on n'ait pas assez de joueurs, que ce soit pas en nombre pair pour les trois. Donc forcément, il y a des joueurs qui seraient rabattus sur d'autres. Après, ça va peut-être être un vote. Je ne sais pas. En tout cas, quand je vois cette map-là du nouveau système de KvK, on voit il y a quatre éléments. Il y a l'eau, l'air, le feu et le dernier, je ne sais même pas ce que c'est. Ça devrait être la terre normalement. Donc très probablement en haut à droite la terre, en bas à droite le vent, en bas à gauche. Alors quand je dis en bas à gauche, Mani, c'est en bas à gauche vraiment, la vraie gauche, l'autre gauche pour toi. Donc en bas à gauche, l'eau et en haut à droite le feu, en haut à gauche pardon le feu, je me suis perdu hein, depuis que je cite la gauche et la droite de mon ami Mani. Donc on voyait ces quatre éléments avec des zones neutres entre chacun de ces éléments et après des zones indépendantes, hein, vous le voyez, ils ont une donc on va dire une zone 0 où ils sont tout seuls, une zone 1 où on se rapproche des terres du roi où ils sont encore seuls avec des zones de contact hein, qui sont forcément des zones de ruines ou d'hôtels où on va se battre et on ne peut pas construire, et enfin une zone au centre avec les terres du roi. Quand je vois cette map-là, ça me laisse penser que le futur système de KvK sera un système de 2 contre 2. Donc on devra faire des équipes, ou sinon, de toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit c'est, enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, quand on voit la map, soit c'est du 1 contre 1. Donc on est 4 sur la map et c'est donc 1 contre 1 chacun pour soi et on n'est que 4. Ça serait quand même très peu d'être que 4 et ça serait surprenant. Rappelez-vous, un continent dans Rock sur un serveur, c'est 8 serveurs. Donc forcément,
on est sur du 8 sur un serveur, donc on serait par groupe de 2. C'est vraiment ce que me laisse penser cette map-là. Et ensuite, pourquoi on ne serait pas 4 sur une zone ou 8 sur une zone et donc on serait 4 serveurs? Parce que regardez, même si la map est très grande, les zones de contact après sur la Terre du Roi sont vraiment très petites. Et il serait étonnant qu'on ait plus de 2 portes sur la Terre du Roi, voire 3 maximum. Je ne vois pas comment ils pourraient faire ça, à moins que la map soit immense, mais ça changerait profondément la structure du jeu et la structure des maps du jeu, parce que si vous regardez les maps, que ce soit des maps de royaume ou des maps de KvK, elles font la même dimension. Et si vous regardez au niveau des hôtels, les zones où on doit avoir des sanctuaires ou des hôtels des ténèbres, regardez, il y a de quoi mettre, allez, peut-être 2 portes maximum. 3 portes, grand maximum 4 portes, hein, si on en met une en bas, une en haut et 2 sur les zones de côté, on sera à 4 portes, mais pas plus. Donc je vois difficilement comment on peut monter à davantage. Donc là, vraiment, ça demande des précisions qu'on n'a pas, hein, mais c'est comme ça souvent dans tout leak. Moi, je pense encore une fois qu'on va se retrouver là, je parierais sur on sera 2 royaumes par zone. Donc 2 en bas, 2 en haut, 2 dans chaque élément en fait. Et ça demanderait de faire des binômes. Ça sera intéressant hein, d'avoir des bonnes paires comme ça. Ça vous demanderait vraiment d'avoir un très bon allié. Et surtout si on est sur la même zone dès le départ, s'il y a des embrouilles entre alliés, ça peut se taper sur la gueule dès le départ. Et ça peut être très fun. Avec la zone neutre après entre les royaumes, qui ouvrirait peut-être dès le départ pour aller se bastonner en semi-protégé bien évidemment, pour pas se faire envahir si on est en infériorité de puissance ou technique dès le départ. Voilà pour les leaks. Il a annoncé aussi hier une info qui sort de nulle part, hein, le VIP 18. Bon, on prend peu de risques à annoncer un VIP 18. Personnellement, vraiment, là, je me demande ce que va apporter le VIP 18. J'espère qu'il ne va pas lâcher 4 sculptures en or. Alors, j'espère pour moi, hein, pas pour ceux qui y sont. Hein, j'espère pour ceux qui sont VIP 17 et prêts à être 18. Vous allez avoir 4 sculptures en or. Mais pour moi, ça serait quand même difficile. Je vais à peine atteindre le VIP 16. Je devrais l'être courant du mois d'octobre. Donc, déjà, le 17 est bien loin pour moi. Alors, le 18, c'est vraiment un petit point loin. Surtout que le gap sur le 18, ça va être genre 1 million de points VIP. Mais beaucoup de grosses baleines, de gros joueurs ont largement ce stock. Hein. Donc, ils vont être détentes et ils vont être immédiatement VIP 18. Voilà pour les grosses infos du leak. Dernière info qui est ressortie hier et qui, pour moi, là, celle-là est totalement un fake. Regardez ce dernier screen. Hein. Il est ressorti hier, je ne sais pas pourquoi. Alors, il n'est pas ressorti dans la vidéo de Ronny cette fois, il est ressorti sur différents canaux où on parle encore une fois des T6 et d'une nouvelle ère. Qui dit nouvelle ère dit upgrade des bâtiments. De toute façon, pour les T6, il faut un upgrade des bâtiments. Et donc, un upgrade d'un nouvel âge qui serait l'âge impérial et qui montrait les bâtiments jusqu'au niveau 30. Alors, c'est vrai qu'il y a une mise à jour des 2 ans qui peut arriver et sortir tout ça. Moi, je pense en revanche que cette info-là, elle est totalement fake. Après, je me trompe peut-être, mais celle-là, l'été 6, et quand on regarde le screen, même s'il est de mauvaise qualité, il est pixelisé, quand on regarde, on voit bien que le screen des T6, c'est encore une fois l'icône fake des T4 qui a été retournée pour faire un 6. Et changer la couleur de fond. Donc encore une fois, ça serait du fake pour nous faire croire qu'on va avoir les T6, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Les seules infos qui semblent plutôt fiables, encore une fois, j'ai des doutes. Autant le skin Maya Inca, je trouve qu'il ressemble au skin de Rock, autant les Vikings, je suis sceptique. Et l'histoire des éléments, bon, c'est possible hein, pour le KvK, j'y crois là pour le coup. Il n'y a que le skin viking qui me fait vraiment poser des questions. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir un K et Lubu que viking et un K. Mais s'il nous a sorti tout ça aussi Ronny et que ça recoupe, hein, les vikings, ça recoupe vraiment les infos que j'ai eues. Là, vraiment, on doit pouvoir s'y fier. En tout cas, je dirais, si je devais me prononcer, je dirais 70% de chances que ce soit fiable, sauf les T6, évidemment. Les T6, je n'y crois pas du tout actuellement. Comme convenu, les amis, je vais à présent vous montrer une vidéo. Vous allez voir, cette vidéo, elle est assez étonnante. Et en tout cas, ça vous montre comment notre ami Legend F, je crois que c'était ça, a fait pour upgrade avec le cheat de Wuzetan aussi rapidement sa puissance. Regardez ça.
Donc on se retrouve sur un record qui est hébergé. Alors ne me demandez pas d'où sort le lien, hein. C'est l'un d'entre vous qui m'a sorti ce lien. Ça vient d'une plateforme asiatique, c'est un serveur du 10. Je ne connaissais même pas cette plateforme qui peut faire du streaming. Ça vient d'un joueur du 1093 qui a fait ce record et ça concerne donc bien Legend F et ses 850 millions de puissance. Et regardez, il a utilisé le bug, donc comme on l'avait dit, de Wu Zetan. Il s'est un bug qui ne fonctionne plus, n'essayez pas de le refaire. Et je vous rappelle que beaucoup de joueurs ont été bannis suite à ça. Regardez, il s'est placé devant des tours et vous voyez, ça remonte magiquement. Hein, le nombre de troupes de Wu Zetan, hein, elle passe de orange à full blanc tranquillement grâce à ce bug. Les blessés, si je dis pas de bêtises, c'était les blessés légers qui étaient transformés tout simplement en nouvelles troupes, hein, au lieu d'être simplement des blessés légers. Ce qui fait qu'elle crée des troupes à l'infini. Il a posé sa troupe au calme là où il est, là, juste au milieu de ce bastion-là. Et il a pris tranquillement 800 millions, enfin il a dû prendre 700 millions parce qu'il avait 100 et quelques millions si je dis pas de bêtises. Bref, tout bonnement énorme d'avoir exploité à mort ce bug-là. Je suis étonné qu'il n'ait pas été banni pour ça d'ailleurs. Vous le voyez, hein, ça va montrer le joueur qui est bien là et c'est 843 millions de points. C'est tout bonnement abusé. Voilà pour cette vidéo, hein. Elle est très courte, mais en tout cas, elle nous montre bien qu'il a bien exploité le bug et surtout que ce bug existait bien, que ce n'était pas une légende de Wu Zetan. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu en action, il a été patché, bien évidemment. N'essayez pas de le faire. Vous perdrez votre temps, cela ne fonctionne plus. Voilà, écoutez les amis, n'oubliez pas que la Ligue Osiris est en pause hein, pour le moment jusqu'au 10 novembre, c'est bien ça, 11 novembre, hein, elle va être en pause. Donc on attend, on a les champions de la division, malheureusement, on a perdu. Il y a eu quand même des grosses surprises si vous avez suivi les éliminatoires de phase finale. Alors si je ne vous dis pas de bêtises, je vais vous en trouver des grosses surprises. On a bon le 1341 qui a gagné, ce n'est pas une surprise. Les TMD arrobas qui ont perdu, c'est vraiment étonnant parce que c'est des très très gros. Les MTO qui ont gagné, ce n'est pas étonnant, ils sont très très bons. La Familia qui a perdu, malheureusement, on le voit aussi tout comme nous, mais face au Boom, c'est étendu. Les 411S qui ont gagné face aux 166, ça devait être un gros match. Les UCS avec leur dictature du 0 en 3 jours qui ont gagné aussi. On le voit bien, il y a quand même quelques petites surprises hein, sur certains serveurs. Les EV ont gagné, là, il n'y a pas de surprise. Moi-même, j'ai été étonné de voir certaines grosses alliances éliminées. Par exemple, la Familia, j'aurais pensé qu'ils avaient passé. Les 1008 ont battu le 177, c'est normal. C'était un combat interne au serveur. On retrouve quand même toutes les grosses alliances ou la majorité des grosses alliances hein, qui étaient déjà là en saison précédente. Avec la disparition, bien évidemment, de certaines comme les P245. Mais les HKL sont là au rendez-vous, malheureusement pour les 1V. Qui avait fait un beau parcours en Ligue Osiris saison 2. Les Roses, sans surprise, hein, même s'ils étaient les moins puissants, qui sont passés, hein, les OYO aussi. En fait, les alliances solides, hein, vraiment avec de la grosse stratégie, sont celles qu'on a eu l'habitude de voir. Les GoGT, malheureusement éliminés, alors que l'année dernière, saison dernière plutôt, ils avaient fait un beau parcours. Bref, quelques petites surprises, mais en tout cas, on va suivre vraiment cette saison 3 maintenant avec les playoffs. On va faire des paris. Le but, bien évidemment, est de se blinder pour pouvoir vider le store comme on a pu le faire en saison 1 et en saison 2. J'espère qu'on aura autant de chance et que j'aurai autant de flair en tout cas pour tous nous blinder et qu'on soit bien rempli d'oric et qu'on défonce enfin ce store. Les amis, concernant le leak encore une fois et les infos que je vous ai données en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres sources, si vous avez d'autres infos que ce nouveau système de KVK, ces deux commandants d'infanterie et le VIP18, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me partager des liens aussi via Discord. Je suis vraiment intéressé de voir d'où peuvent venir ces screens, surtout celui du Viking. Encore une fois, celui du Viking, on l'a dans un contexte différent des screens de ceux fournis par Ronnie. Donc ce serait vraiment intéressant de savoir d'où a été extrait cette image de Viking.
Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous sur les pouces bleus. Et si ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.